Bon, dites-moi, j'y faisais déjà allusion au début, mais vous n'écoutiez déjà pas, alors je vais me répéter. Vous êtes ridicule assis comme ça. Non, mais c'est pas de votre faute. Mais... Non, regardez-vous les uns les autres, vous êtes grotesques posés comme ça sur votre cul. Enfin, c'est pas de votre faute, c'est la position assise qui est grotesque, vous voyez. Comparé à la position debout, par exemple. Non, mais, écoutez, quand je pense à tout ce qu'on peut faire d'intéressant avec des fesses, alors que vous en êtes réduit à stagner, là, bêtement, bien rangé, bien carré, bien propre, les petites cuisses bien droites, bien parallèles, les petits pieds bien à plat sur la moquette. Peu d'animaux s'abaissent jusqu'à s'asseoir. Le hibou se perche. La chauve-souris se pend. Le serpent se lave. Le hamster. La girofle. C'est Hugo qui disait que les calembours, c'est des pets de l'esprit. Je me demande s'il n'y a pas un peu raison. Là, je recommence. Hein. Pouf, pouf. C'est trop horrible. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, le hibou se perche, hein? La chauve-souris se pend, le serpent se love, la race casse. Le cheval se couche, le soleil se lève, l'homme s'assoit, voilà. À part le chat et le chien, créatures stupides qui poussent parfois la veulerie jusqu'à tolérer dans leur sillage des employés de banque. Dont ils lèchent la main. Quand ce n'est pas la femme. Peu d'animaux, je le répète, s'abaissent jusqu'à s'asseoir. Et encore, on dit le chien. Mais le chien n'est jamais véritablement assis. Ah non, assis, assis, non. Le chien s'appuie sur ses pattes de devant, dans une position relativement élégante. Alors que je suis désolé, mais l'employé de banque, non. Non. Tenez, le professeur Konrad Lorenz, humaniste scientifique et grand ami des bêtes, qui a partagé son existence entre l'étude du comportement sociologique animal et les cuites à la Canter Brown. Eh bien, le professeur Lorenz l'a très bien vérifié lui-même dans son laboratoire bavarois, ce que je suis en train de vous dire là. Non, non, sérieusement, d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez refaire l'expérience chez vous, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir sous la main quelques épagnols bretons et quelques employés de banque. Donc, je peux vous refaire grossièrement le schéma de cette expérience, vous allez voir, c'est très clair. Voilà. Si nous asseyons, vous notez, hein. Si nous asseyons côte à côte, oui, c'est important que ce soit côte à côte pour comparer, quoi. Si nous asseyons côte à côte un employé de banque que nous appellerons A, mais quoi, elle est folle, elle. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit, là? C'est pas... Non, mais... parce que j'ai dit qu'un employé de banque s'appelle A. Non, mais... Donc vous barrez les autres. Eh, non, mais on s'en fout du nom de l'employé de banque. C'est pas ça qui compte, hein. C'est J.A. comme un point A, vous voyez? Non, vous êtes allé à l'école quelques jours dans votre existence. Ça n'est jamais qu'un symbole, hein. C'est tout, il pourrait s'appeler autrement. Voilà. Non, ne m'interrompez plus, parce que vous savez, je suis plutôt littéraire que scientifique, j'ai quelques peines à suivre ce raisonnement moi-même. Non, ça, c'est gentil. Alors, je recommence. Pouf, pouf. Alors, si nous asseyons côte à côte un employé de banque que nous appellerons A, et un épagnol breton que nous appellerons Catherine. Mais quoi?
en hommage à Catherine de Médicis, qui était pas mal poilue, elle aussi. Et si nous disons « Oh les mains », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si nous disons « Oh les mains », seul l'Espagnol breton se casse la gueule. L'employé de banque, pour sa part, reste assis. Dans cette posture niaise qui est présentement la vôtre, et cela jusqu'à ce que l'agresseur se tire avec la caisse, ce que je ne vais plus tarder à faire moi-même maintenant.